Bon, c'était une finale où on a très bien joué. On a gagné 3-0. Ça reste malgré tout un grand souvenir, quoi, avec beaucoup d'émotions. Jouer devant 80 000 personnes, c'était magique. Ça fait longtemps déjà et ça sera bien si on peut arriver à gagner ici avec Monaco aussi. Lorsqu'on débute toutes les compétitions, on va aller au bout de toutes les compétitions, c'est-à-dire quand vous faites une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, ou même une Coupe d'Europe, pour les clubs qui sont, bon, on va pas dire, on va s'arrêter au premier tour, c'est ridicule. Il faut jouer à fond, comme on doit faire toujours, faut entrer sur le terrain, n'importe qui, contre qui ou quelle compétition, faut toujours entrer pour gagner. C'était un des plus beaux moments que j'ai passé avec Nancy et c'est grâce à ça qu'on avait découvert pour la première fois la Coupe d'Europe et tout. Donc c'est pour ça que c'est une rencontre à prendre très au sérieux parce qu'il y a moyen de faire de belles choses. Ça va vite, quoi. Il n'y a pas beaucoup de matchs pour arriver à la finale. Tout le monde en est conscient qu'il y a quelque chose à faire dans cette compétition et notamment sur le match de Nancy parce qu'on a aussi une petite revanche à prendre, même si ce sera un contexte différent parce que ce sera la coupe, il y aura peut-être quelques changements dans l'équipe et tout, mais il y a aussi une petite revanche à prendre par rapport au match de championnat. Il faut être conscient que le tirage au sort, la chance, ainsi de suite, entre beaucoup dans ces compétitions de coupe. Voilà. Bon, et on n'a pas. A priori, sur le tirage, c'est compliqué puisqu'on tombe sur une équipe qui nous a mis 4-0 et nous a mis une belle pâtée. Donc. Mais j'espère que mes joueurs vont démontrer qu'ils ont progressé depuis. Et puis que... Mais là, dire avant, on en fait un objectif, ça me paraît quand même prématuré. On a mal commencé notre premier match à l'extérieur avec Nancy. On a fait 4-0, une claque pour nous. On a une petite revanche dans le jeu, dans l'investissement, dans l'implication, dans l'application, tout ça fait qu'on a beaucoup de choses à se faire pardonner du premier match qu'on a joué là-bas. On a pu voir qu'ils avaient des joueurs de très bonne qualité en attaque, avec beaucoup de vivacité, beaucoup de vitesse et d'adresse aussi devant le but, parce que bon, ils ont réussi à en mettre 4, donc c'est quand même. Ça prouve leur qualité, donc il va falloir faire gaffe. C'est 90 minutes, on va se donner à fond pour gagner ce match et passer. Allez, en huitième. Il faut laisser faire le temps et voir un petit peu pas mal de matchs se dérouler pour dire voilà, Monaco est costaud cette année, Monaco est. Est performant, Monaco est régulier. Bon, voilà, c'est ça. Bon, pas parce qu'on en a gagné un match à l'extérieur, on est quand même tombé sur une équipe qui doutait. Et ça, c'est. Bon, maintenant, on va tomber sur des équipes qui sont comme nous. Je pense à Nancy, là, ça va être déjà. Bon, il va falloir voir ce qu'on va faire par rapport à une claque qu'on a pris. Puis on reçoit Saint-Étienne, qui est une équipe qui est une bonne équipe. Et qui n'est pas du tout au niveau où elle devrait être. Donc ça y est, ça commence à... On va avoir plusieurs profils d'équipe à jouer. On va voir comment ça s'adapte. C'est surtout ça qui va définir la qualité de notre équipe. J'ai envie de retourner là-bas pour la seconde fois, mais pas passer pour un imbécile, on va dire.